C'est qui? Bébé, c'est moi. Tu veux quoi? Je veux quoi pour moi? Non. Sors d'où? Hein? Ah, pourquoi tu me questionnes comme ça? Non, tu m'appelles, tu m'appelles pas en réveil, pourquoi? Attends, pour venir ici, il faut que je t'appelle. Non, tu m'appelles, non. Je t'attendais pas. Je suis là. Oui, tu veux quoi alors? Tu sais que j'ai des problèmes dans le bébé, mais ça fait il y a comme ça deux jours que moi je ne me suis pas lavé. Donc je suis venue chez toi comme ça pour que tu me donnes l'eau. Je me lave. Ma maison, c'est la piscine, maman. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Oui, tu veux quoi alors? Tu es venu te laver, il n'y a même pas d'eau d'abord. L'eau, on a coupé l'eau. Ouais, mais même les réserves. Les réserves, il n'y a plus rien. Moi-même, je ne me suis même pas encore lavé. Mais s'il te plaît, non. Pourquoi tu es devenu dur avec moi? Trouve un autre endroit où tu vas te laver. Je peux pas rentrer. Ok, comme tu veux trop insister. Aujourd'hui là, c'est pas ton tour. Je suis avec une autre fille là. Je vais t'appeler. Attends, tu avais une autre fille? Oui, aujourd'hui c'est pas ton tour. C'est son tour. Je vais t'appeler. Là, tu chez toi, il t'appelle. Ouais, mais s'il te plaît. Il t'appelle au téléphone. Continuer ici, je pense pas que je vais m'en sortir. J'en peux plus. C'est comment? Tu m'avais dit 5 minutes comme ça. J'étais de chaque artiste. Et tu en refais. Je sais que tu en refais 5 minutes seulement. Mais ça ne va pas prendre le temps. Ça ne va pas prendre le temps. Assez bien. Oui, ma fille, je voulais te demander que tu me fasses un prêt de 100 000. J'ai mon fils qui prépare la licence et on va le chasser après demain. Donc c'est pour ça qu'il te demandait d'attendre 5 minutes, s'il te plaît. Ma, tu connais 1 000 francs et tu veux un prêt de 100 000. Oh mais regarde, 28 000 et je donne 100 000, que tu vas cotiser comment? Je vais cotiser chaque jour. Non, tu ne peux pas. 100 000, tu dis bien, tu ne peux pas. Ma, je ne peux pas. Et tout ce qu'elle peut faire pour toi, non. Ça n'est que 30 000. Je jure. C'est même pas, c'est 30 000 que je peux te donner. Pardon ma fille, monte même à 50 000, pardon. Moi je ne peux pas. Vois tout ce qu'elle peut faire pour toi. Parce que si même les 30 000 que je suis en je ne sais même pas si tu vas cotiser ça. Pardon, on monte à 50 000. Je ne veux pas arriver, pardon. Vois tout ce qu'elle peut faire pour toi. Demain c'est ma mère. Je prends 70 000 pour compléter l'agence. 30 000 va faire quoi? Chérie. Bon, tu vois, j'ai dû interrompre mon travail pour qu'on se rencontre parce que je vous ai dit quelque chose de très important qui vient du fond de mon cœur. Tu sais, je t'aime beaucoup. Et
Et j'ai pensé que... faut que je demande ta main. T'es sérieux là? Maman! Attends un peu, j'ai chaud. Attends, est-ce que tu peux te répéter, mon amour? Et oui, je veux t'épouser. Alors, il faudrait que tu me dises, je ne veux pas dire les conditions, mais il faut que tu me dises ce qu'il faut faire pour demander ta main auprès de tes parents. Attends, chérie, j'ai suivi un mot là tout à l'heure. Tu veux faire quoi? Je veux que tu sois ma femme. Aïe, aïe, aïe. Hey, mon Dieu! Merde. Hey! Maman, attends, pardon, pince-moi un peu. On dirait que je suis en train de rêver. Tu ne rêves pas. Je veux faire de toi ma femme. C'est vrai, tu es mon épouse. Je veux t'épouser. Maman, Dieu n'oublie personne. J'ai une belle soeur là, maman. Elle m'avait insulté mon père. Insulté. Donc moi aussi, Dieu pouvait encore penser à moi. Je suis là, je t'aime et je vais t'épouser. Mais moi aussi, je t'aime. Donc. Comment je suis toute tremblante. Voilà. Après toutes ces injures que j'ai reçues des gens. Aïe. C'est pas ça qui compte. Tout ce qui compte, c'est que je t'aime et que j'invite de faire de toi mon épouse. C'est simple. Vraiment, allez, cette vie, on dit une... quand tu n'es pas encore mort, vraiment ne désespère pas. Tout à fait. Merci, mon amour. Hey, maman, regarde. Hey, Tito Oxy va me tuer aujourd'hui. Regarde la vidéo là, ici. Elle danse, mais sa danse me fascine. Regarde. C'est bien, non? Regarde, non, maman. Ah, débarrasse mal les têtes, ça, tu parles avec un bras. Tito, c'est quoi? J'ai renvoyé ta soeur à Bonapusa à cause de Tito. Je vais le faire aussi pour toi. Pour Tito, là. C'est ça qui te nourrit? Je dis à ma chérie, si ta mère te demande de débarrasser, il faut le faire, c'est tout. Mais... quelle histoire du téléphone, ça? Jusqu'à y aussi parlé. Qu'est-ce que tu en sais sur les réseaux sociaux? Je suis connectée 24 heures sur 24. Tu connais le téléphone que j'ai? Je dois être sur toutes les plateformes, au courant de tout pour informer ma mère qui n'est pas connectée tous les jours. Elle dit aussi parler. TikTok, c'est mon domaine. Débarrasse-moi les tasses là! C'est quoi? Pourquoi tu es bête comme ça là? TikTok, c'est quoi? Tu m'as fait trois dossiers à route aujourd'hui. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée,
elle est surpassée. Tous les jours, mais chez amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite.